Salut à tous, c'est Bout de 13. Nous sommes repartis avec Emma dans Evil Genius 2. Alors Emma, on en était où? On voulait essayer de recruter Ellie Barracuda Junior. C'est bien ça. Alors on doit s'en occuper et cela très rapidement. On a besoin d'un deuxième garde du corps. Un homme de main. Il faut qu'on aille chercher Ellie. Capturer Ellie dans le monde. Il est là. Allez, hop. Sans plus attendre, on va lancer nos sbires à sa poursuite. Alors, en attendant, on a payé. Oh là, on a payé les sbires, mais wow. Va falloir faire très attention au niveau d'argent que nous gagnons. Parce que là, on va faire un petit tour sur la carte pour voir à quel niveau on est au niveau de la... Donc là, on est sur des ennemis assez coriaces. On peut pas mettre n'importe qui. Ici, on récupère de l'argent. Donc, on peut pas faire autrement. Ici, on baisse au niveau de l'infamie. Donc, on va arrêter. On va l'annuler. Et on a besoin d'argent. Donc, là, c'est pour récupérer les techniciens. Ça ne nous intéresse pas. Ici, on va l'ôter aussi parce que... on est pas mal. Ici, c'est pareil, on va l'ôter parce qu'on est pas mal. Là où on est parti, là, on attend voir ce qu'il nous propose. Pas grand-chose. Ici, on pourrait gagner beaucoup, mais on n'a pas d'indice. Là, c'est pareil. Ici, on n'a rien de lancé, mais... pas grand chose qui m'intéresse, hein. On peut pas router l'attention dans cette zone. Là, on récupère déjà de l'argent. Là, on récupère déjà de l'argent. Ah, rejoindre mes rangs. Je vous remercie de votre offre, monsieur. Mais qu'avez-vous à m'apporter? Je connais du monde. Je pourrais vous aider à progresser plus vite. Je ne peux pas nier que vous êtes bien battu. Bon, commençons tout de suite. Attendez, je ne suis plus du tout crédible. Je vous serai d'aucune utilité tant que nous n'aurons pas redoré mon blason. Nous, vous dites? Très bien. Nous allons rétablir votre légende, Ellie Barracuda Junior, mon bras droit. Ah, je me disais bien qu'on allait la récupérer. Donc là, on va ôter aussi cette partie-là. Alors, on a besoin d'argent. Donc là, déjà, on envoie nos sbires récupérer de l'argent. Là, on va envoyer... Voilà, c'est pour récupérer. Zut. Là aussi, c'est pour récupérer. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Le casse. Ouais, mais là. Il va falloir que je fasse ça. On va attendre 30 secondes. On va laisser faire la zone. Donc, on l'avait ôté où? On l'a. Là, on l'a toujours. Ici. Ben, y a pas grand chose qui arrive. Là, on envoie ici pour récupérer de l'argent. Et là, ben, on va envoyer aussi ici pour récupérer de l'argent. Ah, ben oui, mais mince. J'ai pas fait attention. Ah là là. C'est John Steele, ça! C'est l'enquêtrice de Sabre qui va nous envoyer John Steele. Bon, ben, on est parti maintenant, on l'a fait, hein. Là, on pourrait gagner de l'argent tout de suite, mais on n'a pas... Là aussi, ça doit être pareil. Ok, on n'a pas assez d'indices. Ben, mes amis, pour l'instant, ben, on va laisser comme ça. On va retourner à notre base pour voir... ce qui s'y trame. Les enquêteurs repartent avec zéro soupçon. Là, on est toujours en recherche. Ellie Barracuda, il est là. Mais pour l'instant, il a besoin qu'on effectue quelque chose pour lui. On récupère pas assez d'argent. Ouais, ce serait pas mal qu'on récupère un peu plus d'argent rapidement, là. Les amis... ici, on va envoyer des sbires baisser notre tension. Ah ben là, on va toucher le fond, j'ai l'impression. Hein. Ouais, on a encore 40 000 à récupérer, là. C'est quand même... on va baisser la tension, là, parce qu'elle est trop élevée. C'est quand même impressionnant. Parce que le problème, c'est que si je commence à m'amuser à ôter là, je vais plus gagner beaucoup, je vais plus gagner assez, et ça va
Ça va poser problème, ça. Je veux bien économiser, économiser, mais si j'ai pas assez dans 5 minutes, on gère mal après. Ouais, on va quand même l'envoyer. On va envoyer nos gardes, quitte à revenir après pour récupérer d'autres fonds. Là, il y a ça, mais on n'a pas. On a 14. Qu'est-ce qu'ils font dans notre base à chercher les indices là? Sur quoi ils bossent? Ouais, quand j'ai plus de scientifiques, c'est ça ou quoi? Scientifique 19. J'en demande 30. Où vous êtes là, tous ces scientifiques là? Ils sont pas là ou quoi? Et au niveau. Oh, j'en ai 36. Ouais, c'est que ça descend aussi à vue d'œil. Hein. Ah, ils sont tous en train de rechercher aussi. Ah ouais. La prochaine fois, on va éviter la recherche pour au moins qu'on puisse emmagasiner beaucoup plus de d'indices. Parce que là, au niveau des indices, on n'est pas. C'est pas Jojo, c'est pas Jojo. Alors, eux, ils vont arriver là. Eux, ils sont en train de faire ça. Là, ben, maintenant qu'on est en train de faire ça, on va récupérer de l'argent. Mais on a largement le temps avant que cette enquêtrice on nous envoie John Steele. On avait dit qu'on devait regarder ici, mais là il nous manque, comme je vous dis. Vous voyez, les recherches, là c'est des lasers. On va les laisser tranquillement. On va laisser. Zut. On va laisser nos scientifiques reprendre un peu de leur intelligence et de venir chercher des indices. On fait comme ça. Et là, on doit avoir un nouveau piège. Alors, est-ce qu'on met ce nouveau piège? On pourrait le mettre, ce serait intéressant de le tester. Mais où? Donc un petit peu plus loin? Bon, ils arriveront jamais jusqu'à là. Bon, on va laisser comme ça, tel quel, pour l'instant. On va se focaliser sur notre. Regardez, oh, bah, y en a un autre. Oh, bah, la région, il en serait 15. Alors, on est bon. On peut envoyer. Ici, c'est pareil, on va envoyer des sbires potentiellement pour garder la zone. Ça avance. On récupère assez d'argent pour l'instant pour notre plan machiavélique. Là, ben, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Ici. On baisse la tension, ben c'est pareil. Et ici, on ne touche à rien parce que notre voleuse préférée est par là. Alors, tout le monde est arrivé au point de ralliement. On va aller prendre celui-ci pour récupérer des soldats. Hop là. Et il faut récupérer quelqu'un d'autre. Conditionner Julio Loiseau. Il doit être dans notre base, ce petit Julio. Julius, pardon, excusez-moi, Julio. Alors, là on est bon, on va peut-être pouvoir aussi dépenser. C'est bon, on peut dépenser, on va dépenser un peu d'argent pour récupérer des soldats, ça en fera moins informés. Voilà, comme ça on va pouvoir les envoyer et aller récupérer de l'argent. Parfait. Bras droit d'Eli est sur votre île. Où ça? Il arrive. On va aller le récupérer. Tous ces gardes qui s'en vont. Ça ne dit rien qui vaille. 33. On est pas trop mal. Ils sont tous en train de faire dodo. Il y en a quelques-uns, pas plus que ça, mais niveau énergie, on a beaucoup trop, j'ai l'impression. Nos scientifiques récupèrent des indices et nous, on doit récupérer le bras droit de. Regardez, Eli Barracuda. Avec sa petite oreillette. On va envoyer aussi ici récupérer de l'argent. Ah non, pas récupérer là, c'est payer. Et on l'a bien payé aussi.
D'accord, pas mal. Là, on va pouvoir l'envoyer pour pouvoir, là, cette fois, récupérer de l'argent. Enfin. Enfin, enfin, enfin. Donc là, oula, il faut qu'on baisse la notoriété, le niveau de. Faut qu'on le baisse tout de suite. Alors, attendez. On a deux objectifs différents. C'est quoi? La fille de l'atome. Ah oui. Ah là là, un super héros. Un super agent. Ah zut. Ils vont tous nous tomber dessus, j'ai l'impression là. Allez, monsieur le bras droit, on doit vous interroger. On fait fissa. On a besoin d'un deuxième garde du corps, homme de main. Et qui mieux que Eli Barracuda Junior pour nous aider? Peut toujours servir. Tac. L'interrogatoire de ce bras droit. Alors, il faut le conditionner. Ah, d'accord. Alors, ce qu'on appelle conditionner, c'est peut-être. Ah, cette recherche, mais. Ah zut, peut-être que je ne fais pas la bonne recherche. Je pense qu'il faut, oui, les amis, je pense que il faut aller où? Où est-ce qu'elle est? Les sbires, celui-ci, le conditionneuse 2000. Allez, on va demander à Emma de venir booster un peu tous ces petits scientifiques. Allez, Emma. Maintenant, allez. On a du pain sur la planche. Mais au niveau scientifique, on était pas mal, hein, pourtant. C'est qu'en fait, on a beaucoup de scientifiques qui tournent, qui tournent. Et tous ces. Oh là, regardez les enquêteurs là, qui se font refouler. Bien là, pour l'instant, on en est pas mal au niveau de la. De notre disque, de notre casino. Le casino gère bien. Faut pas trop s'inquiéter des enquêteurs en ce moment. Par contre, il faudrait que, ouais, on ait un peu plus de sbires en scientifique là. J'ai l'impression que ça irait plus vite. Ça irait plus vite, mais pour l'instant, j'ai l'impression. Ouais, c'est même pas une impression. On est à 30, donc on peut pas aller plus loin et ça sert à rien d'aller recruter plus. Ils sont tous en train de manger, donc ils vont arriver au fur et à mesure. Ça devrait se dépêcher pourtant. On est limite au niveau argent, mais comme la dernière fois, je peux pas en avoir plus. Là on gagne. Ici on est toujours en train de gagner. Là on est en train de les récupérer. Là on est en train de baisser parce qu'on peut pas faire autrement. Là on récupère de l'argent. Et là elle est là. Ben, les amis, vous voyez, on peut pas récupérer plus d'argent que ça. Mais pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie. Cette recherche qu'il faut qu'il fasse assez rapidement. Mais je croise en eux. Ça va aller vite. Ça va aller vite, ça va aller vite. Je le sens bien. Allez. Ceux qui sont partis sont remplacés très rapidement. Allez. Parfait. Les autres qui s'en vont, les nouveaux doivent arriver. Voilà, parfait. Allez, on perd pas le rythme. Au niveau des enquêteurs. Oh, regardez, j'ai pu avoir un paquet d'argent quand même. Je garde un paquet d'argent, c'est bien. Information, plus personne.
Alors, c'est parce que j'ai plus d'ouvriers. Je pense que oui. La formation des gardes a repris. Regardez, ouais, c'est pour ça. Les enquêteurs sont arrivés, mais ça me pose plus de problème. C'est des petits, c'est les menus fretins, ça. Allez, la prochaine tournée des scientifiques devrait déverrouiller le siège que j'ai besoin d'avoir. Peut-être que je devrais aussi, peut-être en l'attendant, demander d'agrandir le 3. Ouais, on va faire comme ça. Ça permettra d'anticiper, peut-être, anticiper et pour pouvoir mettre le siège un autre à côté de l'endroit, ou mettre en face, quelque chose comme ça. On va voir. A scheme has succeeded. La chination terminée. Laquelle est terminée? Ah, c'était celle-ci. Mais là, on peut pas trop faire Something grand-chose. is wrong with either the minions or the training room, boss. Ok. On peut pas faire grand-chose. Non plus. Donc on va laisser tel quel. Et on va mettre notre petite fontaine à eau ici. Allez, les scientifiques, vous en êtes presque là. 97. Voilà. Allez hop, on sort de ça. Et là, on a dit qu'on devait construire un nouvel élément. Voilà. Et vous voyez, j'ai même pas assez de place pour le faire. J'aurais peut-être dû. Oh, regardez. Parfait. Ensuite, on va le mettre comme ça. Toi, on va le mettre ailleurs, même là. Et on va même le reculer. Allez hop. Tac. Allez, maintenant, faites-moi ça. Au niveau recherche, je pense qu'on peut encore continuer à déverrouiller. Parce que plus on aura déverrouillé, mieux ce sera. On va mettre des portes, ça va aller vite. Research has begun. Coûte pas trop cher et ça peut aller vite. Allez, moi je veux ce nouvel objet d'interrogatoire. Ouais, je te vois prêt là, je te vois prêt. Allez, petit technicien, viens. Comme ça, on va pouvoir appeler Joubet. Je pense pour interroger et pour le conditionner. Voilà, Joubet. Interroge-moi. Ce jeune. Oh, regardez. Il est avec nous maintenant? Voilà. Et maintenant, on a récupéré. Logiquement. Voilà, vous m'impressionnez, monsieur Barracuda. Vous avez tenu vos promesses et vous êtes bien plus efficace que mes sbires. Vous n'avez pas placé la barre très haut. Pas étonnant que je l'ai franchie sans problème. Pour votre gouverne, je ne tolère pas que mes subordonnés soient arrogants. Néanmoins, mon organisation pourrait avoir besoin de vous. Voilà ce que j'aime entendre. Ensemble, on va faire un paquet de fric. Et en plus que ça, monsieur Barracuda, encore beaucoup plus. Parfait. Là, ça veut dire que voilà, j'ai Eli Barracuda. Pas mal ça. Il s'en va où lui par contre? Moi il s'en va. Julius. Alors, au niveau des nouveaux plans annexes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, ça doit être la statue de la liberté, je suppose, la liberté éclairant le monde. Ah, est-ce que je le tente? Où je commence à aller voir un peu ailleurs. On va recruter peut-être. Allez, des Boss, biologistes. we need to talk. Il faut qu'on parle, chef. Must we? C'est vraiment nécessaire Every time parce you que open chaque your fois mouth, que vous ouvrez la bouche, I ça get me a donne headache. mal au crâne. We're brushing up Nous against the arrivons aux limites limits de of nos our capacités. Il est temps capabilities. d'explorer de It's nouvelles time voies to explore. Here scientifiques. it comes. Et voilà, ça Stabbing commence. veins, Je sens déjà right les premières here in douleurs my qui montent au temples. niveau de mes tempes. Do what you must. Faites le nécessaire, je vous We donne la can permission. kidnap Kidnappez anyone who can quiconque pourra teach vous you what you apprendre want to ce que know. vous devez savoir. Ok. Alors, une zone libre sans là.
On est d'accord. Il y en a une autre ici, mais je gagne de l'argent. Là, il y en a une autre ici, mais je gagne de l'argent. Il y en a une autre ici, mais là, je gagne pas de l'argent. Sac à puce ici. Il y a quoi là? Pareil. Alors, attendez. Hop là, là, ça doit être un élément qu'on a découvert tout à l'heure, les lasers, les fameux lasers. Les portes sont en train de se déverrouiller. Et là, par contre, va falloir qu'on agrandisse cette partie-là pour nos futures recherches. On va commencer déjà à agrandir. Et je pense qu'on va mettre une bonne zone de recherche. Parce qu'on a besoin quand même d'une bonne zone de recherche. Les recherches, c'est primordial. Voilà, le deuxième et le troisième, ici. Tout en gardant les bonus qu'on peut avoir. Voilà, parfait. Et parfait. Allez, messieurs, commencez le travail. En attendant, on va kidnapper le biologiste, on va l'interroger, on va pouvoir se former. Et au niveau des formations, c'est pareil, il va falloir un peu agrandir notre salle. Même si pour l'instant, elle est un peu exiguë, on va pouvoir, vous voyez, agrandir ça. Voilà, on va le perdre celui-ci. Bon, c'est pas grave si on le perd, on le rajoutera et on verra comment ils ont besoin d'être formés. Donc on est à 27 000 de construction, donc ça va. Pas trop cher. Machination terminée. Donc là, je pense qu'on a récupéré le biologiste. Et au niveau des recherches, on va faire la porte laser. On va continuer dans ce sens-là. Et là, on va laisser tranquillement. Qu'est-ce qu'on a récupéré au niveau de l'élément? Donc c'est la porte. Ok. Je n'avais pas bien vu. La porte était en train de. Alors, on va récupérer un peu d'énergie avec notre ami Emma. Le biologiste arrive, prêt à être formé, à être interrogé, pardon. Et on va se charger de son éducation à ce biologiste-là. Regardez, bam, on va l'interroger. C'est parti. Pardon, excusez-moi. Prévu peut-être un peu grand au niveau de la salle de recherche, mais un bon centre R&D est un bon endroit pour avoir des nouveaux objets, des nouveaux pièges. Voilà, parfait. Nos scientifiques sont prêts à être formés. Hop, alors. Le petit laboratoire de formation. Comment on va pouvoir le mettre? On va agrandir. Regardez, on va pouvoir peut-être en mettre. Regardez, deux, c'est parfait. Et même si on arrive à gérer, à remettre l'autre derrière. Ouais, et c'est même. Alors attendez. Si je mets ça là, ça devrait être bon. Et est-ce que si je mets ça là, on va regarder, trois même. C'est parfait. Alors, vous deux, je pense qu'on va vous mettre, on va vous déplacer, on va vous mettre au fond. Comme ça, on va avoir un endroit pour cela. Ensuite, ici, on va faire 2 et 2. Et on va même le centrer pour que ce soit plus joli. Donc, nous, on va les centrer comme ils étaient. Regardez. Hop là, les amis. On va faire ça. On n'oublie pas les accessoires pour donner un boost à cette salle. Parfait. On va en mettre un juste à côté, là aussi. Ensuite, pareil, on va doubler derrière pour qu'il y ait de la place.
Les accessoires, hop, on va tourner, on va. Hop, ici aussi, c'est parfait. Et c'est parfait. On confirme. Et la recherche est finie. Qu'est-ce qu'on a encore à d'autres à faire? On a. Allez, on va faire le générateur. On va tout débloquer, hein. Comme je vous dis, on a besoin de tout débloquer parce que les prochains auront besoin de sous et autant de tout déverrouiller. Alors, au niveau des recherches, au niveau de notre scientifique, comment ça se passe? Les ouvriers rentrent dans les sciences et ils viennent scientifiques. Et ensuite, ils deviennent biologistes. D'accord, donc il faut que ce soit des scientifiques qui passent biologistes. Donc on va en faire une vingtaine pour l'instant de scientifiques, de biologistes, pardon. Et les enquêteurs sont arrivés. Est-ce que j'ai besoin de m'inquiéter? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, pas de problème là-dessus. Les amis, je vous dis, on va former des biologistes. Et ça va être parfait. Par contre, c'est bizarre. Donc on se verra dans un prochain épisode pour la formation des biologistes. Et puis, ben, je vous dis à plus tard. Allez, bye bye.